acolyte mystérieux qui est apparu là, après avoir fait une apparition dans plusieurs pays, dans d'autres continents. Et pour la toute première fois, on voit le monolithe apparaître en Afrique et au Congo, plus précisément à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Je suis étonné, on veut comprendre quel phénomène ça, mais on laisse les scientifiques suivre cette affaire. Je suis assistant du bourgmestre Thierry Gaïben Bailon à la commune de Bandalungwa. Alors, nous gérons la commune de Bandalungwa. Il est apparu sur le net, donc la situation un peu culturelle que les gens ne connaissent pas encore chez nous, même moi-même aussi, bon, je le vois souvent, je l'entends parler, mais je ne l'ai jamais vécu, les monolithes. Mais soudain, je l'apprends comme ça, donc sur le net, que ça est à Bandal. Alors je pose la question à mon chef qui me dit, mais effectivement, moi aussi j'en ai appris. Vraiment donc, c'est dans le cadre purement donc de recherche qu'on est venu aujourd'hui, même sur le terrain, vérifier, être donc peut-être le premier témoin à vérifier, à vivre donc ces monolithes. Et on l'a trouvé, le monolithe est là. Alors ce qui s'est fait ailleurs est maintenant chez nous, et chez nous à Bandalungwa, le monolithe mystérieux. Bon. Nous ne l'avons pas construit, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, c'est mystérieux. Bon, c'est pas si comment ça va, ça voyager. Bon, soudain on se réveille, on trouve les monolithes mystérieux. Voilà, nous sommes venus nous rendre compte. On a vu les monolithes, on l'a touché, on a vu. J'ai essayé un peu donc de voir dessous. Et donc, j'ai pas compris comment cela a été fait. Bon, on va peut-être approfondir les expériences. Mais c'est quand même quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon pour la culture. Nous sommes vraiment donc dans le cadre, donc dans la, en face donc de la culture internationale. C'est ce que moi j'ai comme impression. Merci. Voilà.